Dee-d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 ee. So just call me whenever you're lonely. Dee-d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 ee. I'll be your friend, I can be your homie. If it's loving that you want, then you should make me your girl, your girl. If it's loving that you need, then you come and share my world. Share my world, oh, oh. What you want? Come and take a walk with me, walk with me. Then everything you need, I got it right here, baby. I wanna let you know that you don't have to go. Don't want them no more. I wanna let you know that you don't have to go. Don't want them no more. What I think about you. If it's nothing that you want, then you should make me your girl. If it's loving that you need, baby, come and share my world. If it's loving that you want, come and take a walk with me. On revient à la télé-réalité. Ok. Vous allez tout vivre avec moi, dorénavant. Donc, ceux qui ne sont pas contents, peuvent déjà quitter. Vous pouvez déjà quitter le navire. Est-ce qu'on peut liker et partager, s'il vous plaît? Ceux qui ne sont pas contents peuvent déjà quitter le navire. D'accord? Parce que c'est comme ça que ça va se passer dorénavant. If it's loving that you want, then you should make me your girl. Your girl. If it's loving that you need, come and come. If it's loving that you want, then you should make me your girl. If it's loving that you need, baby, come and share my word. Share my word. Wow, dommage que sur Facebook, on ne puisse pas mettre la musique. C'est ça qui est dommage. C'est beaucoup dommage, hein? Vraiment, c'est beaucoup dommageable. Hein? Make me your girl, baby. I got what you need, come and share my word. Oh, oh, yeah. Je peux pas mettre la musique, j'ai envie de danser. Mais sur Facebook, c'est tellement limité. On ne peut pas mettre de musique parce que bah, y a des droits d'auteur, etc. À part ma propre musique, je ne peux pas mettre celle des autres. Donc, je vous ai mis en lien là, dans le rectangle là, l'arbre à lien qui vous permet d'accéder à toutes mes pages. Instagram, YouTube pour regarder mes clips. Quoi d'autre? Instagram, YouTube, TikTok. Ma cagnotte, ouais, parce que j'ai une cagnotte qui est ouverte pour tous ceux qui voudraient contribuer à la production de mon album. Ma cagnotte est ouverte. Vous avez également un lien pour ceux qui voudraient m'envoyer des étoiles, un lien qui vous permet d'acheter les étoiles moins chères, 30% moins chères si vous achetez depuis un portable, de les envoyer par la suite. D'accord, c'est comme des petits pourboires et tout pour encourager les créateurs de contenu. Vous pouvez les envoyer même après la diffusion du live, hein. D'accord? Je ne vois pas vos commentaires. Est-ce que vous êtes en train de commenter, les gars? Est-ce que vous êtes en train de partager, d'ailleurs? Non? Ok, pourquoi je suis déconnectée? What is this? What is it? Attendez, on va regarder ça. Là, je suis en train de chauffer mon bâton de manioc. Je pense que c'est coincé. Je ne vous vois pas. I got what you need, come and share my world. Oh. Ouais, c'est coincé. Je ne vous vois pas bien. Ça a bugué. Ça a bugué. Est-ce qu'on peut liker et partager, s'il vous plaît, et mettre les cœurs? Ça a bugué. Là, je ne vois que 3 likes
Et zéro partage. On peut rien faire ça, les amis. Coucou, voilà, je te vois, Titi. Est-ce que vous pouvez partager, s'il vous plaît? Alors, dans le lien, à travers le lien en question que je vous ai mis là, vous avez également la possibilité de rejoindre mon groupe WhatsApp. Le groupe où on discute de l'évolution de ma carrière, de stratégie concernant différentes choses. Chan, tu es encore là? Pourquoi? Et tu mets tes chaussures en jouant à la balle? Maman, toi, elle... Ou tu crois que tu es née avant moi, ou je ne sais pas. Dépêche-toi. Donc, qu'est-ce que je disais? Tu prends une brique de lait. Tu prends... si tu vois les steaks là. Les chines. Les côtes des chines là. Tu vois, non? Les côtes de porc là. Moi, je n'ai jamais vu ça là-bas. Mais essaye de voir. Hein? Y'a pas. Côtes des chines. Les côtes de porc. Hein? Donc, du lait, une brique de lait, la mayonnaise. Très important, je vais la mailler et la côte là. Tu es très belle, madame Amel Kamel. Je te kiffe depuis N'Djamena. Oh, c'est trop chou! Salut à vous, N'Djamena. Si j'ai déjà été à N'Djamena, j'ai mangé un plat chez vous là. Je sais plus comment on appelle ça. Il y avait des patates dans les pommes de terre. Ici, en Belgique, ils appellent ça patates. Il y avait des pommes de terre. Une salade de pommes de terre. Il y avait des crudités, la mayonnaise, des oignons. Et il y avait, je crois que c'était du mouton. Mouton braisé. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça m'a marqué. Ça fait très longtemps. Ça fait très, très, très longtemps. Voilà. I got what you need, so come share my world. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Donc, mon gars, en cause, non? Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même ceux qui veulent m'insulter, ne vous gênez pas. Est-ce qu'on peut liker et partager, s'il vous plaît? C'est la base, les gars. Vous likez, vous partagez. Lui était beaucoup, beaucoup de cœur. S'il vous plaît. Tu chantes très bien, vraiment très belle voix. Merci, Frédéric. L'amour, c'est pas forcé, ma chérie. C'est lui ou c'est moi, ton ami, ma copine. Donc, c'est toi, l'épine. Je t'invite dans ma table et c'est toi qui veux venir coucher dans mon lit. Même quand on est fâché, c'est mon gars. Tu peux toujours me saboter. Lui et moi, on se sait. Maman, il fait chaud. Depuis que je voulais rentrer, que je rêvais de me pavaner. Mon Dieu, vous êtes mort en guerre cet été avec moi. Vous êtes mort en guerre. Celles qui n'ont pas...
celles qui n'ont pas pris soin de leur corps, vous allez me pardonner, hein, vous allez nous excuser. Nous, on va pas se camoufler pour vous faire plaisir, ok? Bon, il paraît que mon grand frère Tony Nobody m'a répondu. Là, on va écouter un peu. Je vais faire une vidéo vite fait parce que je suis en train de partir sur Yaoundé. La conférence est déjà presque passée aujourd'hui par rapport à la demi-finale à Yaoundé de la compétition de Didier. Est-ce que Didier sur un petit ballon avec la boisson réactant. Et je vais vous dire rapidement, je suis en train de prendre un sandwich pour la route. Mais je vais rapidement faire cette petite vidéo. Pour pas m'expliquer, on like, on partage, un peu de lumière sur ma position par rapport au DJ. J'ai dit les DJ, ça peut être pas de musique, et je le maintiens parce que je crois que beaucoup n'ont pas compris. Les DJ écoutent les musiques, les DJ proposent les musiques, ils sont responsables de l'ambiance. Déjà, de par la définition de ce qu'est un DJ, c'est quelqu'un qui fait des mélanges agréables pour que les gens soient contents, que les gens soient à l'aise. Il y a ceux qui envoient les clients. Le travail initial de l'artiste, du musicien, de l'artiste chanteur, est fait en studio. Mais aujourd'hui, le double travail de l'artiste, du DJ, qui n'est pas seulement de mixer des chansons. Tu as pris du poids, ça te va bien. Oh, merci. Vous voyez ça, il veut que je casse ça. Donc, il travaille sur l'industrie de la musique en général. C'est pourquoi, pardon, le DJ est un maillon extrêmement fort. Voilà. Et je n'aimerais pas qu'on mélange. Il y a des DJ qui ne sont pas bons du tout. Comme il y a des artistes qui sont cons, ok. Donc, pour ma part, je ne voudrais pas qu'on apporte des polémiques là où il faut pas avoir. J'adore Simon Lourdes, qui est un grand ami et frère que j'adore. C'est le meilleur de tous les artistes camerounais, je vais vous dire, après Petit Pays, même s'il ne va pas l'accepter, mais je crois qu'il le sait bien. Il va pas aimer ça. Petit Pays, c'est le suprême des suprêmes. Simon Lourdes, après Petit Pays, je vous dis, au Cameroun, c'est le prince. C'est le prince de la musique camerounaise. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Okay? On l'aime, on l'aime pas, mais il nous donne de la joie. Il est l'un des Camerounais qui nous donnera de la joie jusqu'à la fin de la vie. Donc, beaucoup de respect pour ce monsieur. Donc, il ne faudrait jamais l'oublier. Et les DJ, les gars, okay? il ne faut pas oublier qu'ils ont ce rôle ingrat. C'est un rôle ingrat. C'est-à-dire que parfois, on pense qu'ils sont des personnes pas importantes, de moins que rien. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui sont un peu cons sur le bord, qui peuvent penser que les DJ, mais surtout, il ne faut pas dire les DJ avec L majuscule pour les englober tous. C'est une partie qui ne fait pas bien ce qu'on veut ou ce qu'il faut. Pareil pour les artistes. Pareil pour même les consommateurs. On ne peut pas englober les gens. Donc moi, je suis là pour que les gens comprennent que le Cameroun est un pays qui est en construction et nous devons tous mettre la pierre à l'édifice. Okay? Chacun de nous doit porter sa part pour que les choses se passent positivement. J'ai envie de vous dire que ça fait beaucoup de plaisir. Je vous parle. Oshiga, la serrette. Non, t'inquiète, ma chérie. J'ai beaucoup d'amour pour toi. Salut mon frère, Amer Kamer. Okay? Pensez à être positif. Mettez de la joie, de l'amour dans vos cœurs. Arrêtons tous toujours aller sur les réseaux sociaux pour combattre. Non, le combat, le 21 combat, allez prendre les cartes d'électeur, allez voter, protégez vos votes pour qu'on change le système qui nous met à genoux. Donc voilà un peu ce qu'il faut faire. Pour l'instant, il n'y a pas de souci, il n'y a même pas de polémique. Moi, je m'en vais faire la demi-finale à Yaoundé pour le concours des DJ. La finale, c'est le 20 mai à Canal Olympia à Douala. Ça va être la moindre. Alors les DJ, respect à vie. Parce que pour moi, l'industrie ne peut pas grandir. Yes. Voilà. C'était mon grand frère, Tony Nobody. Tous les gens qui sont là tous les jours. Oh, un clash. Est ceci. Voilà Tony Nobody que j'ai interpellé dans mon live de la dernière fois concernant le live qui concernait, qui traitait du boycott de Longuet. J'ai interpellé le grand frère, je n'étais pas d'accord avec lui. Vous avez vu, vous l'avez écouté? Il n'y a pas de problème. Beaucoup d'amour pour toi. Non soucis. Mais les gens vont aller dire qu'elle a clashé. Elle a ceci. Elle a cela. Les gens qui n'ont pas de cervelle là. Vous avez donc entendu, mon grand frère. Lui, il a écouté ce que j'avais dit. Il ne gère pas la forme. OK? Donc, voilà. La grossesse, on attend. J'espère que c'est la tenue numéro 3 que tu as choisie. Ah, j'aime voir que vous suivez, hein. Vous suivez, hein.
Vous suivez en rond. Maman, j'espère que quelqu'un allait me balancer un choco en me disant que prends les deux. Je t'ai dit, parce que franchement, j'ai aimé les deux, hein, la tenue 1 et la tenue 3. Tu te maquilles très bien ces derniers jours. Je kiffe. Oh, merci, ma belle. Merci. Il faut que ton gars t'enseigne tout trop bien. Ça s'est mis en jeu. Seul, hein. Ça s'est déclenché seul. Donc, comme je suis belle, il faut qu'on enseigne pour gâter ma beauté. Vous voyez votre cœur. Sinon, pourquoi tu vas chercher la grossesse sur moi? Pourquoi tu fais ça? Hein? Pourquoi tu fais ça? Hmm? Donc, on doit m'enceinter. Comme je suis trop belle là, on doit seulement détruire ça. Hein? Arrête de te salir. C'est à moi qu'il est uni. Arrête de te salir, t'as aucune chance de réussir. Si mon gars cherche ta part. Maman, est-ce que vous vous rendez compte? Il y a quand même quelque chose que je trouve très intriguant. Je connais une blogueuse sur cette toile qui ne tarde pas à porter plainte aux gens. Hey! Elle a porté plainte à Natacha de Monaco, où c'était la non courante, où c'était mon quoi. Moi, je sais même, c'est qui c'est là-bas. Est-ce que vous pouvez partager? Oh, est-ce que vous pouvez partager là? Mettez les cœurs. On like, on partage, on dose les cœurs. Tu n'as pas reçu l'argent. Est-ce que vous pouvez faire ça? Parce que là, c'est la partie que vous aimez. Vous aimez le Congo, ça, non? Tenez, vous faites, je vous donne un peu. Mm-hmm. Est-ce que on peut partager? Maman 32 partage. Mais regardez où on en est. La page est terriblement restreinte. Terriblement. Maniaka bobé de la restriction. Bref. Je disais que votre... Oui. La page est très signalée. Très restreinte. Ils veulent nous museler. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à femme, non? En passant, allez vous abonner. Taguez à femme par eux. Va partager mon live aussi. Qu'on est bien partagé. Allez vous abonner à la nouvelle page de à femme... parce que sa page Les Pleureuses de la Toi a été attaquée. Donc, vous pouvez aller vous abonner. La nouvelle page, c'est le haut-parleur. Le haut-parleur. Vous tapez le haut-parleur, vous allez trouver la nouvelle page de à femme. Pompez le cœur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça, là. Mettez ça. Mettez-moi ça, un tas. Bonjour, ma star. T'es quelques kilos... te vont bien, tu es rayonnante. Merci, Justine, tu trouves? Moi aussi. Ce qui choque les gens, c'est que moi, je prends du poids, mais jamais au bras. Le poids, oui, mais pas sur les bras. Non. Ici, ouais, pourquoi pas. Ici aussi, je prends... Tout ça, c'est cuissu, hein. C'est... On est très cuissu, hein. Il va cacher comment? Il va vous faire rager. Doit faire plaisir à mes caravés garçons et faire rager le bousier, hein? Les fans refoulés là. Et puis je dois motiver celles qui ont le cœur, celles qui ne sont pas envieuses et qui se disent que non, j'ai vu ça chez telle. Moi aussi je peux faire. Ça va me motiver à aller faire. Donc l'été arrive. Hey! L'été arrive. Oh, 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 oh. Les sorties à Aqua Boulevard. Oh là là! Cherchez-moi à quoi boulevard, à la piscine. Venez m'agresser là-bas, comme vous êtes sauvage là. Maman, il voit mes ex ici là. Mes ex sont dans le live. Coucou, maman Lumière. Donc, je disais que vous avez une blogueuse là, maman. Elle seule avait porté plainte à Natacha de Monaco. Elle seule. Je crois qu'elle a porté plainte à Ducambindo. Hein. Je ne sais, je ne suis pas sûre. Elle avait dit qu'elle va porter plainte aussi à Nicole. Vous voyez de qui je parle, non? Parce que ça, on ne fabrique plus, c'est fini. Vous voyez de qui je parle, non? C'est que je ne comprends pas.
C'est que tous les gens à qui elle veut porter plainte là, lui ont fait que les petits, ouais. Ils ne lui ont même pas fait des trucs de ouf. Moi, je connais quelqu'un qui lui a vraiment fait du sale sur la toile-ci. Je connais quelqu'un qui lui a fait ça nu. Wombo, vous connaissez, si vous connaissez, écrivez son nom. Si vous voyez de qui je parle, vous écrivez son nom. J'ai dit que votre blogueuse là qui aime porter plainte à tout le monde, tout le temps. Il y a quelqu'un qui lui a fait ça dû ici sur la toile. Mais elle n'a jamais porté plainte pour diffamation. Donc on va faire les devinettes net. Vous allez d'abord deviner qui est la blogueuse en question. C'est une blogueuse qui se bagarrait ici avec Natacha, la jalousie parce que Natacha un peu. Parce que Natacha a une plus grosse voiture qu'elle. Parce que Natacha a plus de dos qu'elle. Elle voulait aussi porter plainte. Ou elle a porté plainte, je ne sais pas. À Nicole Ketcha. Apparemment, elle a aussi porté plainte à du Cambindo. Je ne suis pas au courant. Bon. Moi, je connais quelqu'un sur la toile qui lui a fait beaucoup de mal. Ah, écrivez les noms, ça commence à venir. Je connais quelqu'un sur la toile qui lui a fait beaucoup, qui lui a coupé. Bon, il lui a pas fait du mal, hein, il a juste restitué la vérité. Mais ça lui a causé beaucoup de tort. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi lui, il n'a pas droit à une plante, lui. Posez-vous la question. Parce que moi, si moi je suis marrette et qu'on vient me dire qu'on raconte partout sur la toile, Onga, que j'aime Binda. Un gars raconte partout qu'il m'entoure. Pas une fois, pas deux. Plenty. I don't want to enjoy. Wombo, que I don't to my you plenty time. I don't binda you. I don't yas you plenty time. Non seulement I don't binda you plenty time. Mais you don't give me money. You been give me money several times. You don't give me money. You don't show me money. You have given me money. Money was given from you to me. For my services. For my services. Yeah. Married woman. Mais tout ce qu'on a eu comme réponse, c'est que me, I know fi nyok with a black man. And nyok only with a white man. Question. There in that, in your area. In your era, there, in Cameroon, who were you binda with? Eh? Were you binda with the cow? Were you binda with the chèvre? Traduction. On est venu nous dire, c'est que, oh, moi, je ne m'intéresse pas au noir. Moi, un binda, c'est ma belle white. Moi, ma question, c'est que, nous tous, on sait que you don't enter for ya. Ils n'ont pas long, hein. Ça fait pas longtemps, hein. Where you don't enter for this country. So, au pays là-bas, tu n'yoks ça avec les chèvres ou tu n'yoks ça avec les bœufs. Après, ça fait pas longtemps que tu es là. Et puis, on a vu ton vrai âge que tu es ma grande soeur. Donc, maman, ou bien tu as commencé à n'yokser à 40 ans. Ou à not the understand very well. Merci, Rose, tu trouves? Tu veux bien partager le live hein, dans ce cas? Attendez, je remets mes jolies petites bagues. Il y a quelqu'un qui m'a dit que oh, je n'ai même pas le vernis. J'ai dit que mais c'est même vrai. Pourtant, j'ai les ongles de la gloire glorieuse. Pas besoin d'aller acheter les faux ongles. Ils sont à moi. J'ai les ongles de la gloire glorieuse et j'ai beaucoup de vernis. J'ai dit que j'ai tout ici. C'est parce que je ne vais pas seulement vous montrer. J'ai le sac de vernis. Donc, tout ça maintenant, I go use them. J'ai le sac de make-up. I go use them. And I go show you now. Say,
I can be better. I can do better than you. Okay? I am better and I can prove it. And I will. Every single day. Okay? On envoie ça. Envoyez ça là beaucoup, 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 beaucoup. Parce que la page, c'est la bagarre. C'est la bagarre en ce moment. Ils veulent t'aimer nos pages. OK? Ils veulent t'aimer nos pages. Donc, je compte sur vous. Quand vous voyez une de mes publications, arrêtez-vous, vous commentez. Comme ça, quand je serai en live, on va vous envoyer la notification. Parce que beaucoup d'entre vous ne reçoivent pas les notifications. Pourquoi? Parce que on est restreint et que quand vous arrivez sur une publication, vous ne réagissez pas. Donc, ça, le système se dit que bah, ça ne t'intéresse pas. Du coup, il ne t'envoie pas la notification. Tu vois? Donc, on pousse, on pousse, on pousse. Hein? On pousse. Et n'hésitez pas à envoyer les étoiles, les gars, si vous êtes contents. Comme ça, je pourrais acheter encore plus de vernis, plus de make-up. Parce que vous savez, oh putain, ça coûte la peau du cul, ces trucs. Oh! Comme par exemple, moi, elle fait plus le shopping. Hein. Vous savez que moi, elle n'est pas l'argent. Moi, elle fait plus moi le shopping. Et c'est ça, d'abord. C'est ça qui est enfermé chez moi. Mais comme il y a la soirée là, et que ça fait longtemps, quoi. Tu vois, il y a l'anniversaire, la langa nous a invité depuis longtemps et tout. Et ça avait fait un genre et tout. Elle veut vraiment qu'on y aille et tout, machin. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion et tout. En plus, j'ai l'impression que c'est pas... C'est une caméra, mais j'ai pas l'impression qu'on va croiser trop de caméras là-bas. Du coup, c'est pour ça que je me dis que ça vaut le coup d'y aller. Peut-être qu'on va croiser des gens d'autres horizons. Vous savez, moi, j'adore ça. J'adore faire des découvertes, aller à l'encontre d'autres communautés. Moi, j'adore. Donc, c'est ce qui m'a motivée. Je me suis dit, tiens, ben, je vais aller faire du shopping pour l'occasion. Et on est allé tout à l'heure. Enfin, on n'a pas pu s'éclairer. Où sont tes clés? Où sont tes clés? Quand tu montes ici, tu me les montres. Parce que comme je les ai oubliées là, c'est trop suspect. Toi, oublier tes clés, c'est la prolongation de tes mains, frère. Donc, je vous disais... Can you believe this? Vous pouvez croire que quelqu'un qui a la main qui est procédurière comme ça, hein? On va venir dire que elle a niasse avec un gars. Elle ne l'attaque pas. Elle aime m'arrêter. Donc c'est quand même lourd. Elle ne l'attaque pas. Pourquoi ce vêtement? Parce que c'est le mien. Pourquoi cette question? C'est mon vêtement. Je le kiffe. Je me kiffe. J'ai chaud. J'ai envie de faire plaisir à ma communauté. C'est quoi le problème? Mais c'est ça! Partage alors, Félix. Ça s'appelle du body art. Ceux qui veulent en voir plus, vous cliquez sur le dernier lien à partir de l'arbre à lien. Vous voyez, ce qui apparaît dans le rectangle là, c'est l'arbre à lien. Vous cliquez dessus, vous allez dans le lien au fond. OnlyFans. Vous vous abonnez. Voilà, pour profiter des merveilles parce que c'est l'été, ça va être très chaud. Il fait très chaud. Donc quand il fait chaud comme ça là, c'est le nudisme que vous voulez voir dans la maison. C'est moi, mon voisin qui est en face là. Lui, il est installé là. Il se régale. Ouais. Et puis, n'oubliez pas ma cagnotte. La cagnotte est dans le lien épinglé. Merci, mon chou. Montre-moi les clés là. Merci, ne me fais pas confiance. Chaya, je t'ai dit de payer la mayonnaise. Je ne t'ai pas dit d'acheter. Et pourquoi tu vas m'acheter une mayonnaise à la con? Et le ketchup, tu prends la marque. Et ce que moi... Ah oui, c'est bon, c'est la bonne mayonnaise. Le packaging m'a changé. Et t'as dit de prendre la mayonnaise, pas le ketchup. Ok, tu as des prix, c'est bon. Voilà, je m'écoute des chiffres. Ça coûte combien? 7 euros. Hé, hey, maman, la vie en France a changé. Ça te coûte comme ça, là. 7 euros.
peux déposer mes clés sur la... Où est le truc? Dépose ma carte sur ma table, sur ma coiffeuse. 14 euros, ça va. Un maillot, le ketchup. Bah ça va, hein. Finalement j'ai l'impression que Monoprix est moins cher même que là où on passe souvent. Hein. Que le père marché. Sélectionner panneau boucher, c'est combien? Ah, c'est 700 grammes quand même. Donc 7 euros, ouais, ça les vaut. C'est quand même 700 grammes. Ah, on a atteint le chiffre 100. Oh my gosh, coucou Natacha. On a atteint 100, c'est un miracle. C'est un miracle, c'est grâce à vous les gars. Merci. Oh. Normalement, un pouce doit sortir. Voilà, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Oui, Monoprix avant était cher. Enfin, c'est ce qu'on conçoit dans la tête, mais je vais souvent chez Auchan, l'hypermarché, parce que je me dis comme c'est l'hyper, ça va être moins cher. Mais je me suis rendu compte que c'est un truc. Ils sont moins chers chez Monoprix, par exemple, les céréales de mes enfants. Je vais vous montrer. Voilà ce que je donne comme céréales à mes enfants, sans fausse publicité. Sans publicité, d'ailleurs, je ne suis pas payée. Ils sont assez chers. Mais, bon là, c'est le maxi, hein, c'est 900 grammes. Je le prends à 6 euros au champ. Et 5 euros et quelques à Monoprix. Pourquoi ces céréales? Parce que bah, la composition, sans arôme artificiel, sans huile de palme, sans colorant. Voilà. Les autres là, c'est dégueulasse. C'est un peu moins cher que ça. Mais voilà, ça, c'est des choses que mes enfants mangent tous les jours. Donc, il faut que ce soit la bonne qualité. Ça, c'est ma part. Ça, c'est un peu plus cher. Ça, c'est pour moi. Aux quatre noix, mélange de noix plutôt. Ça, c'est un mélange de noix. Parce que les noix, c'est très bon pour le cœur et tout. Donc, voilà, ça, c'est ce que moi, je consomme. De la même marque. Celui qui me dit que... Attention à marcher en quoi devant les garçons, devant nos enfants garçons. Moi, mon garçon est bien éduqué. Il n'en a rien à tirer, la preuve. Il ne va pas avoir d'idée. Tu as vu, Géant, Casino, Super et Consor sont plus chers que Carrefour et Monoprix. Ah ouais. Moi, ça fait à deux. Tu vois, ça là, il sait que ça. Ça me reviendrait plus cher. C'est presque 1 kilo, c'est costaud. Mais bon, je préfère aussi chez Auchan. Pourquoi? Parce que ça vient directement du boucher. Alors que là, je ne suis pas sûre que ça vienne du boucher, tu vois. Chez Auchan, c'est leur boucher qui coupe et puis ils mettent dans le film. Alors que là, les trucs qui sont dans les barquettes, je vous déconseille de manière générale. C'est pas très bon. Donc, je disais, moi, mes enfants sont bien éduqués. Garçons comme filles, c'est la même éducation. Je vois pas pourquoi... devant les garçons, je dois avoir peur. C'est moi qui l'ai élevé, c'est moi qui l'ai éduqué. Il est hors de question qu'il ait des idées tordues devant moi. D'ailleurs, il est hors de question qu'il ait des idées tordues devant quelconque fille que ce soit. Pour la simple et bonne raison que mon fils est éduqué à savoir que le corps de la femme lui appartient à elle. Ok? Qu'il peut voir une femme marcher nue devant lui, ce n'est pas une invitation à la toucher, ce n'est pas une invitation à la vio. Hein? Voilà. Donc, je peux. D'accord? D'ailleurs, quand mon fils va à la piscine, il voit des filles, des femmes, des grands-mères, il voit tout. En tenue. D'accord? De piscine. Quand il regarde la télé, sûrement il a déjà vu une femme habillée comme ça, même dans un film simple. Alors, c'est à force de mystifier les choses, nous là, que nos enfants deviennent des détraqués. Parce que vous mystifiez tout. Comment dire? Vous rendez le corps de la femme tellement... Ça dit, vous sexualisez les choses. Quand mon fils me regarde, il ne voit pas une femme avec qui il peut faire quoi que ce soit. Il voit sa mère. C'est tout. C'est vous qui donnez des idées. C'est comme...
Le passage de la Bible où les humains se rendent compte qu'ils sont nuls là, c'est lourd d'enseignement. Hein? C'est lourd. Parce que eux, ils se mettaient nus devant Dieu avant, il n'y avait pas de souci. Ils ont commencé à se mettre nus quand? Parce qu'ils se sont sexualisés. Ok? Ça veut tout dire. C'est la même chose. Moi, mon fils, il me voit comme ça tout le temps. Moi, mon fils, il est très pudique. Hein? Moi, les viandes, poulet, c'est chez le boucher. C'est plus sûr. Voilà, Justine. Exactement. Viande, poulet, même le poisson, je prends chez le poissonnier. La viande, je prends souvent à Château. Parce que je consomme pas beaucoup de porc. De manière générale, je mange pas beaucoup de porc. Donc, je prends souvent à Château. À Château, il n'y a pas le porc. Là, j'en ai pris parce que j'en ai pas. Sinon, j'ai la viande au frigo là et le poulet. Je prends un château chez le boucher. Ouais, c'est moins cher là-bas. Le boucher de mon quartier, ça coûte une blinde parce que bah, c'est un quartier plutôt... Voilà. Donc, je peux marcher à poil devant lui. Je peux, mais ça fait quoi? Quand vos matières vieillissent là, c'est même pas vous qui vous occupez d'elle. Si elle tombe là maintenant malade, qui va s'occuper de moi? Tu peux me dire? Si elle tombe malade maintenant, qui va s'occuper de moi? Puisque je ne suis pas mariée, je ne vis pas avec un homme. Parfois, tu peux être mal, tu vas avec un homme, c'est tes enfants encore qui viennent s'occuper parce que l'homme, lui, il est trop dégoûté parce que voilà, beaucoup d'hommes sont des lâches quand leur femme tombe malade. Qui va s'occuper de moi? J'ai dit que c'est vous qui me mystifiez. À l'époque, nos grands-mères marchaient comment? Elle est cachée qu'ici. Et encore, parce qu'il y avait d'autres personnes qui regardaient, des étrangers. C'est vous qui rendez ça. Ça dit tabou et c'est ça qui... Si quelque chose est interdit, c'est là où on a en plus envie de le faire. Donc, c'est ce que vous avez fait avec le corps, à force de sexualiser le corps féminin. Sinon, vous les hommes, vous marchez torse nu, ça ne dérange pas les filles. Pourquoi? Pourquoi ça ne dérange pas les filles? Parce qu'on n'a pas appris aux filles que c'est quelque chose de ouf. Mais comme on a appris aux garçons que le corps de la femme, quand tu vois, tu dois entrer. Voilà pourquoi ça devient tout un truc. Moi, mon fils n'est pas éduqué comme ça. Je n'ai pas éduqué mon fils de cette façon-là. Voilà. C'est ça qui fait que vous êtes de vos... Dans les familles, là, on marche, vous vous couvrez. Ça empêche que les petits cousins et les petites cousines se fassent des choses bizarres la nuit quand les parents dorment. Donc, faut nous laisser l'hypocrisie africaine, là. Éduquez vos enfants, causez avec eux. Parlez avec eux, c'est mieux. Bon, fils, vous avez vu sans caleçon dans les filles. Ils sont devenus bizarres quand ils vous voient. Mon fils, je suis celui qui me voit sans me voir même. Ça dit, il me regarde, mais je suis celui qui ne me voit pas. Parce que tellement, il ne me gère pas. Tellement, il s'en fiche de ma gueule. Je suis celui qui me voit sans me voir. Ça dit, je suis devant lui là, mais il ne voit rien. Tellement, il s'en tamponne. C'est ça, en fait. Et ça doit être ça. Il doit simplifier ça. Parce que le corps qui doit lui dire quelque chose, c'est le corps de sa femme. Pas le corps de toutes les femmes. Et ça ne doit pas être à cause d'un corps. Je ne sais pas si on se comprend. Tout est dans la tête. Ok? Tout est dans la tête. Éduquez vos enfants correctement. Cessez toute cette mystification-là qui nous fabrique les petits violeurs qu'on a partout là. Vous pouvez envoyer mes étoiles. Je veux couper mon live. Éduquons bien nos enfants. C'est vos histoires-là. Moi, mon fils me voit comme ça là depuis. Il n'a jamais attaqué une fille. D'accord? Il n'a jamais agressé une fille. Il n'a jamais eu des comportements bizarres envers les filles. Jamais. Jamais. Jamais de la vie. Et on n'est pas au pays ici. On est en Belgique. Ça veut dire que s'il tente de faire un genre là, on va vite t'appeler. Surtout que c'est un noir. Ouais, non, ils ne vont pas traîner. Hein? Ils ne vont pas traîner. Hein? L'artiste a raison. Quand mon papa est tombé malade, en tant qu'aide-soignante, c'est moi qui le lavais. Ben voilà. Tu as eu des idées. Et il a bien eu la chance d'avoir sa fille. Mieux qu'un étranger vienne commencer à maltraiter ton parent. On parle de quoi? J'ai croqué ma langue. Les jalouses sont assises sur moi en ce moment. Mm-hmm.
quand c'est bon, je danse. Donc, je disais, ah, j'ai oublié de dire à l'enfant d'acheter le jus. Merde. Je disais, l'angala, je connais un gars qui a fini avec sa réputation ici là sur la toile. En disant qu'il a bien niasse. Et qu'elle a payé pour ça. Un gars marié aime ça. Mais tu ne portes pas plainte pour diffamation. Il ne m'avait rien dit. C'est toi-même qui as fait que le secret sorte. Merci Justine. Il ne m'avait rien dit. C'est toi qui as fait que le secret commence. Non, Yami. Et tes réactions ont confirmé la chose. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut m'envoyer une tonne de cœur? Je suis obligée de vous demander les étoiles. Parce que si on ne demande pas, vous n'allez pas envoyer. Les nouveaux arrivants, bienvenue. Abonnez-vous. Quand ils demandent là, les étoiles, c'est à ceux qui n'ont pas l'habitude d'envoyer surtout. Apprenez à envoyer. Ok? Nous sommes des intermittents du spectacle. Nous sommes des intermittents du spectacle. Nous nous donnons un spectacle devant vous. Tout ce temps que nous sommes. En tout cas, tous ceux qui font les lives. Bon, l'ouvrier mérite son salaire. Ok, my baby, tu n'as pas oublié un zéro derrière. Merci, maman. Merci, Nathalie. Moi, je ne veux plus faire les lives longs. Non, en même temps, comment on doit serrer vos coups là pour avoir 5 francs, c'est compliqué. C'est compliqué. Merci, maman Lumière. Voilà la cagnotte. Vous ne voyez pas sur ma cagnotte. L'album là va sortir comment, les amis? Hein? Il y a un gars qui est venu me narguer ici. Merci Justine. Le groupe d'étoiles est déclenché. Il faut 1800 étoiles. Est-ce qu'on peut valider ça, s'il vous plaît? Tous ensemble. Tous ensemble. Vous cliquez sur l'arbre à lien. Le rectangle là. Vous cherchez, c'est écrit acheter les étoiles moins chères. Achetez les étoiles moins chères. Vous achetez là-bas. Et vous revenez vous envoyer. Si ça ne marche pas, achetez ici là. Où il y a l'icône de l'étoile. 4 minutes, hein. C'est chronométré, les gars. Vous avez 4 minutes. Pour envoyer 1800 étoiles aux étoiles au total. J'aimerais voir tout le monde s'y mettre, s'il vous plaît. Ça va aider ma page à sortir de la restriction. Également. My baby, toi aussi. Je calcule le décompte comment avec 20 étoiles. Je calcule le décompte comment. 1800 étoiles, s'il vous plaît. Il reste 3 minutes. Je veux voir tout le monde participer. Merci, Justine. 1300 étoiles, il manque.
Je veux voir tout le monde participer, s'il vous plaît. Il manque 1300 étoiles. Si tout le monde s'y met, on va lire. Mon gars. Étoiles. Vous achetez à travers l'arbre alliant. C'est mon gars. Je peux m'appeler parce que la moquerie. Qu'est-ce que Justine ici là? 1 minute, 1300 étoiles qui manquent. Si tout le monde est, on va arriver. Si vous avez commencé à me suivre, passer et placer les gens, hein, désabonnez-vous. Je vais rester avec ce son-là pour moi. Merci, Maman Lumière. Et ma baby est tout à fini. 1200 étoiles, il manque moins d'une minute. Eh, Seigneur. Moins d'une minute, 1200 étoiles. Étoiles, merci Janet. Moins d'une minute. Si tout le monde mettait un peu, on validait. Si tout le monde avait mis un peu. Moins d'une minute, 1100 étoiles. Avec 100,